parfois quelques jeunes, une centaine de personnes environ réunies autour de cette esplanade à Nanterre où il y a, vous savez, l'entrée du RER et puis des buildings tout autour. On voyait des vitrines qui avaient été vandalisées, brisées, des distributeurs automatiques de billets notamment, quelques restaurants. Et puis il y avait parfois une intervention, une tentative d'intervention de la part des forces de l'ordre. Et Jean-Paul Belmondo perçut la ville. De projectiles de la mort de Naël à Nanterre. C'est comme Macomé, les Congolais ont pleuré en 93, la mort de